Charlotte, donc je vais laisser maintenant à nos amis de M6 le soin d'essayer de deviner pourquoi vous n'étiez pas là lundi et mardi, parce que maintenant ça commence à jaser dans le métier. Mais donc n'hésitez pas sur Twitter, hashtag CPVA. Pourquoi n'était-elle pas là, à votre avis, lundi ou mardi? J'attends que vous puissiez nous en dire un peu plus. Hervé, oui, ça bouge un petit peu de votre côté, dites-nous. Eh bien, écoutez, ça bouge. Hervé, ça bouge, car... pourquoi y a-t-il toujours un décalage horaire quand on vous parle? Quand on vous donne la parole, on a l'impression qu'on n'est pas sur le même continent et qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Je vais vous donner une explication. Allez-y. Parce que vous savez que dans mon oreille droite, je suis avec la mairie de Blois. Ah. Et dans l'autre, je suis avec vous. Alors, il faut que mon cerveau arrive à suivre. Donc là, actuellement, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec la direction générale des services... Est-ce que vous voulez qu'on vous branche une troisième oreillette dans un lieu disponible? Non. Bon, là. Parce que la dame, elle est en train de rire à droite, et vous, vous racontez vos bêtises à gauche, donc, et l'autre qui me fait des singeries à 20 euros, Ok. Mais bon. On aura du nouveau. Eh ben voilà. RTL. Elle est très particulière, cette émission sur RTL aujourd'hui. Les gens, il y a de l'électricité dans l'air quand on appelle les gens. Bon, alors, on va faire. Déjà, on va vous remercier à vous tous. De qui? Il paraît que la Lune. Pardon. C'est pas... Je vous signale que quand vous avez dit c'est la Lune et je suis désolé, Johanna, elle vous a montré du doigt. Donc je me suis dit, on va peut-être laisser les auditeurs en dehors de tout ça dans le studio. Il y a des évacuations qui sont faites, mais vu que c'est une cuvette. Elles arrivent juste au niveau de... S'il vous plaît, ne prononcez pas le mot cuvette. Je ne peux pas vous en dire plus, mais Charlotte vient juste de revenir. Oui. Elle est encore traumatisée par deux jours d'absence et je n'ai pas le droit d'en dire plus, ça, malheureusement. De la diffamation, justement, on en parlait. Bah, ça, oh, bah non, ne dites pas que c'est de la diffamation parce que je ne peux pas amener les preuves. Non, vous n'avez pas dit. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre photo? Juste, je vous pose la question. Johanna, parce que vous avez l'air très coquette, très bien coiffée, que pensez-vous du nouveau carré de Maître Novakovic, vous qui... Magnifique. Merci. Il est réussi, celui-là. Hein. Ouais. Ah ben, elle a mis du temps. Hein. Elle a mis du temps pour trouver la bonne coiffeuse. On peut rendre hommage à ce coiffeur? Il a un nom? Joyce. Ah, vous la connaissez, Hervé Pouchol? Ah bah oui, j'ai fait le même carré, mais c'est pas marché. Le problème, c'est une question de texture et de nombre de cheveux. Ben il y a certaines figures géométriques qu'on ne peut pas faire sur votre tête. Donc maintenant, vous avez une droite, vous, pendant qu'elle, elle a un carré. Oui. Bon, allez. C'est ce qu'elle m'a dit. Pour l'assurance, vous voulez des nouvelles? De l'assurance pour le cimetière? Voilà. Oui, bien sûr, vous avez demandé donc la mairie, donc je vous donne... S'il vous plaît, breaking news, Bernard Sabat. Ah oui. À mon avis, ça va être ce qu'on appelle un pétard mouillé, mais oui. Je vais quand même lui donner la parole. Attendez-vous, je m'adresse à mes auditeurs d'RTL et d'M6, attendez-vous une grosse déception. C'est un peu comme une femme qui vous dirait, ou un homme d'ailleurs, tiens, regarde, tu vois tout ceci, ça va être à toi. Vous vous allongez, elle dit, eh ben non, et elle s'en va. Il est 12h03 et l'équipe est au grand complet. Alors, je ne les vois plus sur mon écran de contrôle. Bernard et Hervé étaient partis négocier. D'ailleurs, voyons et demandons à Christophe Mahé, que faisait Hervé Pouchol? J'ai fait la manche. Et vous, Bernard Sabat? J'ai fait l'amour. Eh ben, très bien, écoutez. Tant mieux, maintenant que cette pause est finie. C'est-à-dire qu'il y en a quand même un qui va essayer de gratter un peu d'argent et l'autre qui va voir. C'est du beau, ça. Oh là, mais ces deux-là, mais on ne peut pas les tenir. D'ailleurs, maintenant, on peut le dire aussi, quand Bernard dit j'ai fait l'amour, après, inutile de vous dire qu'il fait la manche, hein, pour. Auprès de celle avec qui il a fait l'amour. Bon, mais ça ne regarde personne. Récoutons maintenant très rapidement ce qu'a voulu nous dire Maître Novakovic. Alors, il paraît que c'est du droit première année. Je vous laisse juge. Accrochez-vous bien. Maintenant, on y va. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ça veut dire qu'un contrat est un contrat, il existe. Voilà. Et puis voilà. Tiens, vous savez comme c'est facile. On va demander à Sarah de nous dire ce qu'elle a compris. Sarah, vous qui êtes avec moi, j'ai pas fait de droit. Ouais, voilà. Personne n'en a fait. C'est incompréhensible. Ça veut dire qu'un contrat, ça vaut loi. C'est clair? Et puis vous n'allez pas m'insulter en plus. Il va falloir se calmer un petit peu. Hashtag CPVA sur Twitter. Est-ce que Maître Novakovic doit me parler comme ça? Mais vous comprenez. Depuis qu'elle a changé de coupe. Mais oui. La coupe, ce nouveau carré, ça la rend hargneuse. On se retrouve pour le Money Time. Bernard Sabat, ben bravo, parce que je ne le savais pas. Bernard Sabat est le frère jumeau d'un grand réalisateur. C'est un internaute sur Twitter qui nous a envoyé ça. Ah oui, regardez. C'est effectivement le frère jumeau de Steven Spielberg. Ah oui, on ne le savait pas. Bah écoutez, franchement, dans des soirées sosies pas trop chères, ça passe, hein, ça. Mais vous savez, quand je me balade sur les planches à Deauville, Julien, et qu'il y a les petits panneaux Steven Spielberg, je me mets là et les gens viennent me faire signer des autographes, monsieur. En parlant de planches, commencez à commander les quatre dans lesquelles vous allongerez un jour. Oh, non.
C'est pas gentil, Julien. Ah, bon, et puis alors maintenant, depuis hier, grâce à Stan, une idylle a été révélée entre Bernard et Hervé, tant mieux. Moi, je suis très content. Elle continue apparemment, on a parlé d'un cas de déménagement. Eh bien, voilà, donc chaque jour, on dévoilera comme ça une photo d'Hervé et Bernard. En tout cas, vous avez l'air heureux, et ça fait plaisir. Oui, oui, moi, tous mes rendez-vous ont été annulés avec vous. Et ma femme a demandé le divorce. Et on parlera aussi de Charlotte qui a tweeté qu'elle voulait faire appel à l'équipe de CPV pour son mariage, ce qui veut dire qu'elle envisage peut-être de se marier. Je ne l'ai pas trop titillé là-dessus. Voilà. On se retrouve demain, 11h35 pour l'inédit. Vous avez vu, Charlotte, j'ai rien dit sur votre absence. Voilà. C'était normal. Je n'avais pas à dire que vous aviez une gastro. Merci à tous. Bonne journée. Ciao. Lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love.